Это суп, тварь, блядь. Блядь, это суп. Vous voulez échanger vos skins? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Мальчишка герой приключений. Он маленький супер гений и обожает изобретения. Ah, vraiment, c'est des Russes, c'est quelque chose, les gars. Alright, hold up. Big low, close. Right side, right side. He's right side, right side. Go push him, go push him. I flash, I flash. Okay. Okay, we wait together. For trading the AK, bro. Yeah, no problem. I'll give you back. One con? Go long, go long, go long, go long. Dodge him, dodge him, dodge him, dodge him, dodge him. Let's go long, just go long. Dodge him. Please, don't fight him, just go long. They're just 2 on A for sure, so we 5v2. 5v2 on A. 1A, I will flash you, don't worry. Let's go, fight, fight, fight. Flashbang air. Good track, man. Good job, Orange. Good job. Last stairs. The good job, guys. Come on, come on. One shot, two shot. Throwing flashbang. Throwing flashbang. Shot. One more shot. Man, man, man. Seriously, bro? Seriously, man? Sorry, bro. Oh mon frère, vas-y, mon pote est sorti de la chambre. Big sorry, green. And look what. Sorry. Oh, he don't smoke. Smoke, blade. You fake A long? Oh. Push Motri, Motri. What is Motri? Flashbang out. Flashbang. Throwing smoke. Throwing a Molotov. Down here. Oh, mais les frères. And I fucking hate this game, man. Movement are shit in this game. Je me suis cogné 12 fois sur le banc, frère. Dead long, guys. Come, come, come. Wait, no, about it. Bomb. Two dead on A. I wanna take EP, bro. Flying down to Mora. Don't peek, don't peek, don't peek. They're gonna, they already rotated. Two A, guys. Two on A, two, two, two. I'm holding peek. Guys, can you come banana? We just execute? Shit. But I think they're banana, all. Bro? Just go, just go. Throwing smoke shield. Close door and come. I'll go to plant this thing. Flashbang out. Allez, fou, frère. Throwing a flashbang.
one. Go long guys, go long. Don't care about me. Let me die, guys. Give it, take it. I'm dead. Take it, orange. Bro, hello. Je vais péter, je vais tout casser dans ce jeu de merde, vraiment. Can we switch, bro? Je sais pas pourquoi, mais j'ai dit. Il a dit behind you, frère, je me suis retourné. Long dead behind. What? Ce que je viens de prendre. Not behind. Up on the right. Oh. Can you go four on B for a pistol, 3 B and 1 heaven? Like two toxic. Can you play 2 barrels maybe, baiting for each other? Guys, hello? Jesus. I'm gonna bait. Guys. Go B. Monster. J'ai dû casser le crâne. Joue-le, frère. One in pit, water, behind sight. Headshot. Be pushing your city. City. Yeah. Alex, merci pour le sub. Comment tu vas, frérot? Non, je suis pas allé au bol d'or, non. Je suis pas allé au bol d'or. Let's try. Guys, please stop talking. Mute ou pas, parce que là je sens que la game elle est pas en cacahuète là. Allez, les deux russes là, ils ont l'air un peu. L'air un peu tendu du slip. Water, connector. Un flash pick, il fait un bon flash. Con pick. Can you don't bite and pick with me, man? I said I'm flashing, you don't talk. I said wait, I'm flashing. Flash. Oh Jesus Christ, shut the fuck up man. Shut the fuck up. Can you pick, il me dit. Je te dis je te flash, tu me réponds pas. Toi tu piques tout seul et après c'est moi je dois piquer avec toi. C'est des fous les gens. Oh bah elle est perdue la game hein. On perd sur l'écho d'avant. Top mid, can you hold it? Jesus Christ. Middle, I hit him with USP. I'm fucking baiting so hard, that's hard to win this game. Je suis mort. Allez, c'est crevé. One by one. I'm
Bravo. Oh, more long. Oh, d'accord. One long, one mid, last long. With bomb. Allez, again. Il a pris une dinguerie, le mec. Okay, 3v1. 3v1. Burning. Maintenant avec ce jeu frère, c'est les smokes. Ça peut être partout. Defense on defense. Be out. I'm a little B guys. Only one question, bleh. We are playing. Please. Oh non, je vais les enculer. De russes de bien vraiment. One city. Long. No one's low HP. Non, non, les infos de fils des putes. Non, no one long, no one long. He went toilet. Et voilà. Prends le force. Ouais, go ahead, guys. Oh non, je mute tout le monde. C'est infernal. One more, mid. Throwing flashbang. I got him. Oh no. I got him, wait, I'm gonna kill him. Je vais les tuer. Ils arrivent à mourir de lui quand même. On a gagné la game, c'est un enfer. Voilà. Je sais pas comment CS va survivre avec cette économie et le MR12. Enfin, je vous le dis, parce que déjà que c'est un jeu toxique, mais le MR12 va rendre le jeu plus toxique, dans le sens où l'économie est trop difficile et les mecs ils give up, ils vont perdre patience encore plus souvent. Et je vous le dis, c'est une catastrophe. Une catastrophe. C'est vrai les give-up. Ah, moi je suis persuadé que le MR12, si ça reste dans cette économie là, je suis persuadé que ça va empirer le jeu en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont jouer, mais ça va devenir comme League of Legends et Valorant. Où le jeu ça va être une catastrophe de fou genre. En mode les mecs ils vont int. Tu vois genre le vrai mot int. Tu vois le int. Ça je connaissais pas moi le int.
Ça existe pas ça sur CS. Un mec qui int. Un mec qui prend, qui te prend la poubelle et qui fait pipi dedans, tu vois. Te met la game dans un chiotte et il tire la chasse. Sur CS, c'est rare, tu vois. T'as un mec qui troll un peu, mais il joue en fait, tu vois. Il continue de jouer. Il achète pour lui, il va bait, tu sais, il fait un peu sa vie. Là, je pense que le MR12, le mec, il se dit, vas-y, je vais finir fast. Je vais courir à mid, machin et tout. Je pense que ça va être ça. Hein. Maintenant, je vous pose la question, comment t'améliores ça? Et là, je vous laisse argumenter. Comment t'améliores ça? Moi, pour moi, il faut changer l'économie. Parce que pour moi, c'est trop frustrant. Parce que ça snowball la mauvaise ambiance, tu vois. L'économie, pourquoi? Parce que t'es en écho, tu chouines, tu râles sur ton pote, machin, ceci, cela. Pour moi, l'économie, c'est une catastrophe. Je vous le dis, pour moi, l'économie, là, c'est une catastrophe. Le rayon de la bombe. Pareil, je pense que c'est une volonté, hein, Maxime. En fait, ils ont mis MR12. Et en fait, ils ont mis l'explosion de la bombe beaucoup plus gros, beaucoup plus violent. Comme ça, ça t'évite d'aller économiser. Comme ça, tu perds ton arme et t'es obligé de te racheter. Ou alors, t'es obligé de te racheter du Kevlar. Et comme ça, ça a un impact sur ton économie. Parce que même si t'es terreau, tu plantes la bombe, tu survis, tu dois te racheter un Kevlar. Donc tout ça, c'est un choix stratégique qui a un impact sur l'économie. Mais pour moi, il n'est pas assez suffisant. En fait, ça va être des games de CS de merde où les mecs ils vont s'acheter Galil, FAMAS, UMP, P90. Ça va jouer avec des armes comme ça, shotgun. On va plus avoir le CS qu'on aime, AK, AKM4, AWAP. AKM4, AWAP. AKM4, AWAP. Là, tu vas avoir du FAMAS, du Scout, du MAX7. Je pense que ça va forcer de fou, ça va aller safe tout le temps. Il y a moyen la game, boum, il y a deux mecs qui meurent, t'es 3v5, boum, ça save. T'es 3v4, allez hop, ça save. T'es 2v3, allez hop, ça save. Il y a moyen, je vous le dis, le jeu, il va être ruiné. Hein. À cause de l'économie, tu peux pas te permettre de perdre en fait, t'es obligé d'économiser les armes. Je pense qu'il y a un gros problème d'économie. Je pense que là, il y a un gros problème d'éco. Ouais.